Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin contente de faire ma rentrée. C'est pas faute d'avoir essayé, mais je n'ai pas reçu mes box. Donc du coup, aujourd'hui on est le 15 septembre. Je vous présente la My Little Box que je viens de recevoir. Donc je suis plutôt contente. C'est mes abonnés Instagram qui avaient choisi en fait quelle box ils voulaient voir que je présente en fait tout simplement sur ma chaîne. Donc je vais faire 3 mois My Little Box et ensuite vous me retrouverez sur la Glossy Box histoire que tout le monde soit content. Donc je présente comme ceci. Il y a écrit que ce soit pour casser la routine, pour réveiller votre créativité ou pour aller là où vous vous attendez pas. Trois petits points. Sauter le pas. Voici la box. Alors je suis assez étonnée du format de la box. Je sais pas si c'est normal en fait. Il me semble que les box étaient beaucoup plus grandes quand je les présentais il y a un ou deux ans, un truc comme ça. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Et là il y a une collab de ce que je vois de la marque Des Petits Hauts. C'est écrit juste ici. La box est plutôt sympa. On va voir si le thème est respecté. C'est ça que j'aime bien dans la My Little Box. Alors hop. C'est joliment présenté comme ceci. Laissez la rentrée vous entraîner dans une valse hors mesure et au pas de côté surprenant avec Des Petits Hauts. On vous invite à innover, créer, dessiner, entreprendre, partager. Et puis raturer, voici vos projets. Alors ça c'est sympa. Et quelle sera votre aventure? Et là on a créé, entreprendre, innover. Sympa la petite carte. Ensuite, sauter le pas façon Des Petits Hauts. Donc prête à vous enrouler dans beaucoup de douceur et de gaieté à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans Des Petits Hauts. On troque les bougies pour un nouveau dressing. 1000 euros de vêtements offerts à remporter. Il faut aller sur le site de My Little Box pour participer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors je vois qu'il n'y a plus de magazine non plus. Apparemment il y a un crayon pour les yeux. On va regarder ça. Déjà on a un premier goodies qui se présente comme ça. Donc il y a marqué la broche hors des sentiers battus. Moi je suis pas très fan des broches. Bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Voilà. Bon, c'est mignon, hein, mais je me vois pas mettre ça sur moi. Donc pourquoi pas offrir à une jeune fille. Ça peut être pas mal. Bon, premier goodie, je suis pas emballée, mais bon. On verra bien. Ensuite, j'ai un pochon avec des cœurs. Ça fait assez Saint-Valentin plus que la rentrée, quoi, je trouve. Mais pourquoi pas. Alors, je pioche. Ah, là, je suis contente, par contre. C'est un masque de chez Kérastase, comme ceci. C'est un beau format de 75 ml. Donc, c'est pour les cheveux. C'est le masque intense et c'est un soin nutritif concentré d'exception. Pour les cheveux desséchés et très sensibilisés. Cheveux épais. Pas du tout mon type de cheveux. On verra bien. Ensuite, donc ça, j'étais au courant par contre, ce produit-là. Donc c'est un concealer de chez Fenty Beauty by Rihanna. C'est un anti-cerne, retouche instantanée. Il y a 8 ml, pardon. Donc c'est un petit peu moins que le MAC par exemple qui est en 10. Et moi j'ai la teinte 100, comme ceci. Voici donc le concealer. On va voir, j'aime bien le format, enfin c'est un tube en plastique mais bon. Le pinceau est plat, très facile pour utiliser. Il est très grand donc du coup je pense qu'on va pouvoir vraiment mettre la poche. Je vais tester là. Alors j'ai rien pour estomper. Voici la couleur, donc ça a l'air plutôt pas mal. Et si j'estompe? Ah bien. Il s'estompe très rapidement. Donc on voit, hop là, la différence. C'est pas ma tête qu'il faut faire le focus, c'est ma main. Je crois que mon appareil photo, il a oublié comment on faisait les vidéos. Voici, voici. Bah, c'est plutôt pas mal, franchement. La teinte, je pense que ça pourrait être bien pour cacher mes cernes de jeune maman. Je valide. J'en reparlerai dans les produits terminés ou les favoris à la fin du mois. Enfin, les produits terminés dans un mois, c'est peut-être un peu... Et donc là, le produit My Little Beauty. Donc, on est sur un crayon pour les yeux, un crayon fard à paupières doublant.
une couleur claire comme ça. Et de l'autre côté, on a une couleur un peu plus argentée. Donc, bronze même, je dirais bronze. C'est très crémeux. C'est relativement crémeux comme crayon. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Après, sans plus, franchement, les crayons pour les yeux, généralement, je les utilise pas parce que ça me fait assez mal sur la paupière. En fait, j'ai paupière sensible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Prêt à tout, ce compagnon sait se faire. Attends, sait faire. J'ai de la musique en tête en plus. Ce compagnon sait faire face aux pièces et aux billets froissés. Ah, un portefeuille peut-être. La bande, le compagnon en bande organisée. Alors voici ce qu'on a. C'est un portefeuille du coup. Ouais. Bon, sans plus, hein. Ça n'a pas l'air d'être de la qualité de ouf, à mon avis, il se défonce en 2 secondes. Tu peux quand même mettre tes papiers cartes grises ici, tes cartes principales, mais moi, mon truc, il est épais comme ça, donc voilà. Et tu as la petite pochette ici, soit pour ton rouge à lèvres ou tes pièces, si tu as encore des pièces sur toi. Donc voilà, bon, pourquoi pas, c'est original. Voilà, voilà pour la My Little Box. Assez mitigée, mais la box est rentabilisée en fait tout simplement déjà avec le soin Kérastase et le Fenty forcément. Donc plutôt quand même contente dans l'histoire. Après pour le thème sauter le pas, j'aurais préféré avoir, je sais pas, un agenda, un carnet, enfin quelque chose de... De plus justement pour créer, pour innover, pour marquer tes idées et faire face plutôt que d'avoir un portefeuille pour dépenser de l'argent. Bon voilà, le thème je comprends pas trop. La broche, bah pareil, bon si c'est une création, peut-être que c'est ça, ouais non je sais pas. Donc voilà, pour la My Little Box du mois de septembre, j'espère que vous toutes, vous l'avez reçue. Je sais que les copines ont fait toutes des vidéos et que du coup, je vais pouvoir enfin aller voir pour voir le contenu, vu qu'il y a différentes sélections en fonction des personnes. Donc voilà, c'est un peu brouillon cette première vidéo, mais écoutez, je suis contente d'être là, je suis contente d'être devant ma caméra, je suis contente que mon fils dort pour me laisser faire cette vidéo aussi, c'est plutôt pas mal. Et puis, voilà, moi je vous fais plein de bisous, je vous retrouve sûrement dans 1-2 jours, croisez les doigts pour moi pour la Birchbox que j'attends avec impatience parce que je n'ai plus de fond de teint, qu'il y a une carte Mac dedans et que je veux l'utiliser, voilà. Bon, je vous fais plein de bisous, ciao ciao.